que j'étais talentueux. J'aime beaucoup le foot quand il y a un ballon. Dès qu'on enlève le ballon, ça va plus. Moi, courir, faire la muscu, etc., c'est toujours pas pour moi. Mais voilà, demandant ma carrière, j'ai dû travailler. Parce que le talent ne suffisait pas. Mais à la base, je pense que j'ai réussi à percer parce que j'étais talentueux et qu'à Caen, on m'a fait confiance. La question éternelle. Bon, je pense que j'aurais déjà continué les études au maximum. Après, dans quelle branche? La facilité, c'est de dire STAPS comme tout le monde, mais voilà, je pense qu'il y aurait beaucoup de débouchés. Donc je sais pas réellement. C'est le ballon. Voilà, c'est jouer. C'est-à-dire que je peux prendre autant de plaisir à jouer devant 80 000 personnes que jouer dans mon jardin avec mes potes ou avec mes enfants. Parce que voilà, dès qu'il y a un ballon, je suis heureux. Comme un gosse. Malgré les années qui passent, voilà, quand je joue avec mes enfants, j'ai toujours autant de plaisir. La violence, tout ce qu'on entend autour du stade. J'ai eu la chance d'être président d'un club amateur et j'ai vu des choses qui, des fois, c'est épuisant, quoi. Franchement, c'est épuisant. Et dans le foot pro, bah, je pense que c'est quand même nettoyé. Il y a un peu moins de violence, un peu moins de problèmes. On voit dans les stades, on voit maintenant à Nice notamment des familles qui viennent au stade. Même au Parc des Princes, j'étais il n'y a pas longtemps, il y a des familles qui peuvent venir aujourd'hui. Je pense que c'est quand même un bon pas vers le plaisir de tout le monde, parce qu'il y a des moments où, quand t'allais au stade, c'était compliqué, quoi. Et surtout, le football professionnel a une grande portée sur le comportement des footballeurs amateurs. C'est catastrophique, parce qu'il faut voir que quand t'as un pro qui va mal parler à l'arbitre ou avec un coach qui va même pas lui serrer la main en sortant des... Pour nous, c'est des détails. Mais quand le dimanche, tu dois aller voir un mec amateur qui est pas payé, qui a eu sa semaine de travail, et qui sort au bout de 20 minutes, machin, qui s'embrouille avec le coach et que t'essaies de le faire mort, il dit « Ah, mais toi, hier soir, qu'est-ce que t'as fait ?» Toi, t'es payé, c'est ton métier, t'as un manque de respect, pourquoi moi, je devrais l'avoir ? Et quand c'est des enfants, c'est encore plus compliqué. Donc voilà, après c'est une éducation. Nous, on avait un gros travail par rapport à l'éducation des jeunes, mais voilà, c'est un travail de tout le monde au quotidien. Je trouve que c'est un projet ambitieux. Je pense que c'est une grande et belle famille. Voilà, il y a un nouveau stade qui est arrivé, il y a un public qui est fidèle. On a joué à Monaco, on a perdu dans un derby, ils étaient là à la fin, ils ont applaudi. Toutes les composantes du club vont dans le même objectif. Il y a un centre d'entraînement qui va arriver, donc voilà. Il y a pas mal de voyants qui sont ouverts. Maintenant, il faut que l'équipe première ait des résultats qui vont en face. Quoi. Très vite, le maintien. Et puis après, connaître des saisons moins galères que cette année, moins de blessures. Avec, comme j'ai dit, on se doit par rapport à la taille de la ville, par rapport aux infrastructures, d'être un club ambitieux. Et de finir au minimum dans les 10 premiers tours chaque saison, et pourquoi pas viser les Coupes d'Europe, mais voilà, étape par étape. Merci, sincèrement, parce que notamment moi, ce qui m'a plu pour eux, c'est qu'on a perdu les 7 matchs. Ils ont toujours encouragé, ils ont toujours été derrière nous, malgré que c'était une période difficile. Voilà, ils savent que. Et je pense qu'on le montre, même si des fois on perd, sur le terrain on donne tout. On sort sans trop regret. Parfois on est moins bon, parfois on perd des ballons, parfois on fait des erreurs, mais ça c'est le football. Mais en tout cas, toute l'équipe et tout le monde s'entraîne le plus sérieusement possible pour être bon le week-end. Les séries. Je regarde toutes les séries quasiment, je crois. En ce moment, je regarde personne fait Interest, mais à la saison 3. Qu'est-ce que j'ai regardé? Game of Thrones. Après moi, les séries Ma Femme, Revenge, Scandal. Juste pour les femmes, mais bon, ça passe. Mafiosa sur la 4, là. Mes deux séries vraiment préférées, hein, on va dire, de toute l'histoire, c'est Soprano et Entourage. Voilà, les deux, elles sont finies aujourd'hui, mais ça m'arrive des fois de regarder le coffre en entier. Rien du tout. C'est une catastrophe, je cuisine pas. Bon. Et est-ce qu'il y a un peu des cuistots dans le vestiaire? Enfin, moi, je sais pas, ils m'ont pas invité, hein. Ils viennent toujours chez moi. Je dirais simplement que c'est une question basse. Ça vient de la philosophie après. Non, voilà, je suis très heureux d'être ici, voilà, y a un challenge qui est grand et qui est important à relever, et que c'est intéressant et excitant pour tous les joueurs qui font partie de ce projet.